bon. Bien. Alors, Israël le Créateur, 31, Lamed Aleph. Taout Gedola, I. Beyadotam, Shena Margishim, et Ardout Asgolit, Chebe Israël. Bechafetim, Mbedim Yonam, Lashvot, et Ainyan, Aelohi, Aze, Amiyuchad, Baofi, Aisraeli, Dinyan, Kol Tochen, Shelam, Velashon, Asher, Kol, Mishpachot, Adama. ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות. ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, כי כל ענייני המחשבה, ההרגשה והאידיאליות שאיננו רוצים באומה הישראלית, חטיבה אחת בלתי מחולקה היא, והכל ביחד עושהו את צורתו המיוחדה. טוב, נראית לה. תוקדי לו רב, il y a une grande erreur. Il y en a qui ne ressentent pas l'unité qu'il y a dans le peuple d'Israël et désirent de manière imaginaire à comparer ou bien à rendre égal, si on veut, cette existence divine qui est le peuple d'Israël, qui est spécifique dans son caractère parce qu'il a été créé par Dieu. C'est-à-dire le peuple en tant que peuple a été créé par Dieu et n'est pas le fruit d'une décision humaine. Amzu yatsartili, am nivra yalelia. Toutes les autres nations, c'est des individus qui ont décidé de s'unir ensemble pour un intérêt commun. Alors que là, c'est une création divine. Et eux, ils pensent que c'est pareil. Le peuple d'Israël, le peuple français, c'est pareil. Et donc, il compare. Même les autres, ils prennent 70 sous mot. C'est qu'Hachem l'a voulu prendre. Il aurait pu être 80, il aurait pu être 50. Yel, c'est ce qui s'appelle Saré Aratzot. Il dit le Ramban. Sar, c'est-à-dire c'est un ange. Un ange, c'est l'or, il voulait chez l'or. C'est vrai qu'il y a une influence sur ceux qui habitent dans ce territoire. Regardez, vous allez au mot de Saré Aratzot. Tout le monde se gourre. Le Ramban marqué Saré Aratzot. Il y a un ange responsable du territoire géographique de la France. Et tout celui qui y rentre est influencé. Juif ou pas juif, n'importe qui. Tu vois bien qu'il y a une tranche de juifs français et une tranche de juifs perses. Donc il y a une influence sur le caractère, sur la physionomie, sur tout. Mais un ange, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est pas un créateur. C'est une couche de vernis qui donne un caractère spécifique à ce collectif. Mais ce n'est pas une créature intrinsèque. Et d'ailleurs, dès qu'il déménage, il va dans un autre pays, mais il passe sous l'influence de l'autre ange. Alors ça prend un petit peu de temps de mutation. Lui, son fils, son petit-fils, il devient anglais à 100%. Ce qui n'est pas le cas du peuple d'Israël. Il reste toujours juif, même après 2000 ans d'exil. Donc, comme il compare de manière extérieure, comme le dit le Kuzari, qu'épaisse à lui fait Adam, c'est la comparaison d'un autre peuple avec le peuple d'Israël, c'est comme une statue de cire qui ressemble à un homme. Tu dis, tout est là. C'est que là, il y a une âme, et là, il n'y a pas d'âme. Donc, extérieurement, ça ressemble, il y a les mêmes structures, les mêmes organisations, etc. Donc, on pourrait se tromper à croire que c'est pareil. Et là, on va voir quelle en est la conclusion erronée de cette approche. Donc, Rafetim, même dit mon âme, donc de manière totalement imaginaire, c'est-à-dire ça ne relate pas la réalité des choses, ils veulent comparer ce sujet divin, qui est le peuple d'Israël, Amiyuchad Beofi Israéli, qui est spécifique dans son caractère d'Israël, l'inyan kol tochen shelam velashon, avec tous les autres langues et tous les autres peuples, Asher bechol mishpachot adama, dans toutes les familles du monde. Umizeh ba'aratzon lefaleg et ha'inyan ha'leumi et ha'inyan ha'dati v'shtei plugot. Et c'est comme ça qu'ils en arrivent à la volonté, à la conclusion erronée, de séparer entre la tendance religieuse et la tendance nationale. Parce que dans tous les autres pays, la tendance nationale n'a pas un rapport intrinsèque avec la tendance religieuse. La tendance religieuse, elle a trait à l'individu. La tendance nationale, c'est pour le collectif. Donc il se dit, bon, si on est comme tous les autres peuples, ben nous aussi, on doit séparer. Et les deux, en fait, se trompent sur toute la ligne. C'est-à-dire aussi bien les religieux qui ne veulent pas entendre parler du nationalisme, parce qu'il dit qu'il y a un rapport avec le Kodesh, aussi bien les sionistes non religieux, ils ne veulent pas entendre parler de la religiosité, ni ce qui a rapport avec la tendance nationale.
Jusqu'à présent, il dit, on n'a rien contre les religieux, qu'ils soient religieux comme ils veulent, dans leur maison, ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils ne cassent pas les pieds dans l'État, que l'État ait une apparence religieuse. Et qu'il soit géré selon la religion. D'accord ? Et les deux se trompent. Même pas les Haredim qui sont... On voit bien, par exemple, en Israël, quand des fois il y a du Khilul Shabbat, par exemple, pour... je sais pas, des fois ils font des trucs pour la Rakevet, pour construire tout ça. Ils s'opposent, donc ils voient qu'il y a un Kéfer. Qui s'oppose ? Les Haredim. D'accord, ils ont énormément progressé depuis. Et tu vois bien qu'ils sont dans la Knesset. Ils disent pas, c'est deux parties différentes. D'accord. Mais disons que, déjà, à partir du moment que ça existe déjà, alors essayons de sauver la situation. Si c'était eux qui avaient édifié à l'époque, ils auraient dit, on fait partie à part. Et jusqu'à présent, il y en a pas mal qui disent, mais on ne sait pas, on n'aura plus de problème. Sans aucun doute dans le côté non religieux. Ils le disent aussi, et surtout. Mais c'est égal. Il y avait parfois même des coalitions très réussies entre Meretz et les Haredim. Oui, Shnei maskimim l'otto davar, qu'on doit séparer. Kol echad mitahamo shelo. D'ailleurs. Et ben mec, les non-religieux hard, la guide, les Haredim ne les dérangent pas tellement. Ils ne cassent pas les pieds, on leur donne quelques cacouettes, ils étudient dans leur yeshivot, ils ne prennent pas la tête. Mais ceux-là, les kippot sugot, ils sont messianiques, ils veulent changer l'État en État religieux, etc. Ça, c'est l'ennemi juré qu'il faut descendre. Top. À vrai dire, Shten Yahad Nachalou Beze Sheker. Les deux se trompent. Qui colline Nier Marshava. Lorsqu'on s'approfondit, on va voir que toute la pensée juive, la manière de ressentir les choses, l'idéal dans le peuple d'Israël, Shinomotim Baoma Israelit, Rativa Achad Bilti Mecholeket. Et on voit bien que dans la Torah, il y a des directives nationales, comme par exemple, la mitzvah de monter en Eretz d'Israël, la mitzvah d'édifier un roi, la mitzvah de conquérir Israël, tout ça ce sont des démarches nationales. Et dans le nationalisme, c'est-à-dire la volonté du bien d'Israël, le sauvetage du peuple d'Israël, c'est aussi une mitzvah. Donc c'est enchevêtré l'un dans l'autre. C'est clair ? Qui colline à Marchava, Argacha, Vidal, ou Tienino, Motsim, Bauma, Israelit, Khativa, Khat, Biltim, Kholaket. À vrai dire, tout ça ne réalise qu'une seule entité. On pourrait diviser. Et c'est ça ce qui fait le caractère spécifique du peuple d'Israël. Que s'il s'est lié, Shamaim Vaharitz, la spiritualité avec la matérialité, donc la religiosité aussi avec les ordres sociaux et nationaux. Donc ça c'est la première erreur. Maintenant, il va accuser le Rav Kook une deuxième erreur. Omnam. כשם שטועים המתאמצים להפריד את החלקים הבלתי מתחלקים הללו, ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת, ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מחטיבה הישראלית בחמה שפוכה על הפרדתם המהבלת, מבלי לשים לב איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. On a dit qu'il y a deux groupes qui se trompent. Il y en a qui prétendent qu'il faut écarter la religiosité du nationalisme, et donc le contraire, il faut écarter le nationalisme de la religiosité. Il y a un troisième groupe qui sait parfaitement que c'est une erreur, mais qui pense que c'est réalisable, que si on le laisse faire, ils vont réussir à déchirer la nation en deux. Et alors, ils déclarent la guerre contre les deux. De peur qu'ils font sauter en l'air, ils brûlent tout le Moadon. Et vous vous trompez encore plus que tous. Parce que vous pensez vraiment que c'est une union artificielle qu'on peut déchirer. Et vous ne comprenez pas que c'est une création divine. Une création divine, tu ne peux pas la changer. Amzu Yatsar Tilit, il était sa Pérou. C'est pas le fruit d'un choix humain qui peut se tromper et qu'on peut éliminer. C'est une création divine. Donc, dans votre approche, c'est vrai que vous avez compris que normalement c'est une unité. Mais vous pensez que c'est possible, seulement c'est interdit par la Torah, et donc il faut lutter contre. Alors vous déclarez une guerre remplie de colère, etc., etc. Alors, vous vous trompez sur toute la ligne, je vais vous expliquer comment agir. Alors, regardez dans les mots encore une fois.
Cependant, Keshem Shetoim Amitsamtsim Lafrid et Tachalakim Amilti Mitralkim. De la même manière exactement que se trompe ceux qui s'efforcent de séparer ces parties qui sont inséparables, c'est-à-dire le nationalisme de la religiosité, car Ayoter Emtoim, de la même manière, se trompe davantage ceux qui pensent Shevchar Shadavar Shachiluk Vapirut Yalem Yadam, qu'il est possible véritablement de déchirer. Shelkol Mitamsim, de tous ceux qui s'efforcent à le faire, l'Afrid Atiti Oumet, de séparer la Titi Oumet, c'est ce qu'il y a au bout du loulav, qui fait que le loulav est cacheur. Et qu'on pourrait déchirer, ça rend pas saoul. Ou Miseba, et de cela il en résulte. Shem Lochakim Legen Marzike Chelek Echad Machatim Esredi Bechema Shifucha. Donc il lutte avec une très très grande colère contre ceux qui maintiennent une seule partie de la nation, c'est-à-dire la partie religieuse ou la partie nationale. À la fradatam ameh belet, de leur volonté de déconnecter, de déchirer, qui amènerait à une vanité totale. Mlim la sidef, sans faire attention, er tzricha amilchama azot litkonen. Comment que, véritablement, on devrait gérer cette guerre? Il y a véritablement une guerre de pensée, mais il faut savoir comment la gérer. La manière dont vous le faites, c'est totalement erroné. Il y a une solution facile à mon avis. Ouais. C'est la Bat Israël. Et c'est Bechaber Akhakar, ça arrive à Zizman. C'est Bechaber Akhakar, on est Hadbechad. Même ça. Mais c'est où? Regarde, les sionistes non religieux, ils ont un amour d'Israël extraordinaire. Non, la preuve en est qu'ils sont prêts à donner leur vie pour tous. Les Haredim, non sionistes, oui, aussi ont un amour brûlant envers tous les juifs. Non. Si, non. Si, tu as vu pendant cette guerre comment ils sont tous mobilisés pour apporter des gâteaux et des steaks. Non, mon fils, il m'a dit, ceux qui ont fait la meilleure partie de steak, c'est les Haredim. Oui, mais Bébête. La plupart. Donc ils sont emplis d'amour brûlant. Et les Chilonim. Ils ont rien contre les Juifs. Ils ont contre le mouvement sioniste. Mais non, mais ils ils pensent que la tendance nationale n'est pas un élément juif. Il faut s'en débarrasser. Et par amour d'Israël, ils veulent débarrasser le peuple d'Israël de cette tendance qui est goy. C'est ce qu'ils pensent. Mais ils n'ont rien contre les Juifs. Il n'y a qu'à voir que quand les Juifs sont en Tsara, ils prient, ils pleurent, ils veulent remporter des steaks sur le champ de bataille, tout mouvement confondu. Donc ce n'est pas un problème d'envoi d'Israël. C'est un problème d'incompréhension. Et c'est ça qu'il faut l'entrer dans le crâne. Donc les deux se trompent. Les troisièmes se trompent davantage, dit le Rav Kook. Ceux qui ont compris que c'est une union, mais qui pensent que c'est possible de déchirer, donc il faut tout faire pour arrêter cette déchirure. Alors regardez ce qu'il dit. Comment il faut agir? Imaya Efchar Leafrid. Si véritablement c'était possible. Et Atranim Aruchanim. Ces tendances spirituelles, c'est-à-dire la nationale et la religieuse. Shemknes Israël. Et la Shadavar Manoa Mepinezech Oktori. Mais c'est interdit par une interdiction de la Torah. Comme par exemple, c'est possible de manger du porc. Mais c'est interdit par la Torah. Donc si je vois qu'il y a tout un phénomène qui se propage où on vend du porc un petit peu partout dans l'État d'Israël, évidemment que je dois lutter de toutes mes forces pour empêcher ce phénomène parce que ça risque d'arriver véritablement. C'est possible de transgresser le Shabbat. C'est possible de faire des moyens de transport Shabbat. Tout est possible. Mais c'est contre la volonté de Dieu, donc je dois user de toutes mes forces, toutes sortes de combines, de coalitions, etc. pour empêcher ce phénomène. Mais là, c'est pas le cas. C'est impossible. Parce que c'est contre nature. Le juif n'existe pas en tant qu'individu particulier, il est une molécule de la nation. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il n'y a pas d'âme particulière. L'âme, elle est collective, c'est la shrina. Donc tu ne peux pas déchirer la nation en deux. Alors que faut-il faire? Encore une fois. Imaya Efchar Leafrid. Si véritablement ça aurait été possible de déchirer, de déconnecter ces deux tendances, et t'atranim ochonif et l'Israël. Et là, Shadavar Manoa Mepinezechoktori. Mais seulement, c'est, il y a un empêchement à cause d'une interdiction de la Torah. Avet Atzricha Milchama, Yot Mechouvenet et Geta Marzikim, Bechelek Nifrad Meuchad. Alors, on aurait dû déclarer la guerre contre tous ceux qui maintiennent une seule des parties. Les Valéa ou les Chalot et Tibionam. De les faire disparaître de la surface de la terre. Pas eux, évidemment, la conception. Mais Al-Shemin Jamaruma,
sous les cieux de la nation. On aurait dû déclarer une guerre très très dure contre cette conception. Aval. Mais, Keval, Shemenia, Tapirou, Dominia, Mouchletet, cette impossibilité est une impossibilité absolue provenant de Dieu. Betuchim anachnu, nous sommes assurés. Shabafridim, ceux qui essaient de séparer l'État de la religion et la religion de l'État, qui les deux ont tort. Marzikea chalakim abodadim, ceux qui maintiennent seulement un élément. Enam toim kibitsiru dimionam, ils ne se trompent que dans leur imagination. De penser que voilà, moi je suis seulement religieux, et l'autre il dit je suis seulement sioniste. C'est seulement religieux, pourquoi tu montes en Eretz d'Israël? Et pourquoi il m'y va de là qui m'a contre Israël? Beshoftim, Beshotrim, Titel, Kol Sharecha. Et pourquoi tu aimes toute la nation? T'as qu'à t'aimer toi-même. Tu vois bien que la religiosité comprend en elle aussi des éléments nationaux. Ah, toi tu dis que c'est seulement national? D'accord? Alors pourquoi tu es prêt à donner ta vie pour le peuple d'Israël? Pour être précis. Parce que national. C'est ça qui est national. Et pourquoi d'Afrique la terre d'Israël et pas la terre d'Ouganda? C'est la nation. Nationale. Pourquoi la terre d'Israël, pas la terre d'Ouganda? Parce que c'est la nation. Si ce qui m'intéresse c'est la sécurité de la nation, ben on peut aller en Ouganda. Parce qu'on est là maintenant. Ah, mais pourquoi vous avez choisi d'Afrique ici? C'est parce que 2000 ans tu dis Iskarech ou Shalai Tishkarimini. Donc tu vois bien que c'est cette fleur, elle a poussé de la racine de la religiosité. Quoi, c'est le parti alors, hein? Ouais. Tous les éléments. Quand tu parles hébreu, pourquoi quand tu fais un tekes, tu reçois une arme et une Bible? Tu veux qu'on fait, non? Tous les chaelim, le jour où ils reçoivent leur arme, l'arme et la Bible. Pourquoi tu te relates de Yahushua et tu dis c'est ça le kushtam, c'est ça ma légitimité d'être sur ce pays? Nationalisme, on l'écrase, voilà, on arrive, on s'impose, on écrase les autres. Non. Les deux sont un peu. On est sorti d'Égypte, on a une histoire, il y a une légitimité morale dans tout ça, etc., etc. Les deux sont un peu. Donc tu vois, c'est vrai qu'ils essaient de cacher un petit peu, mais en eux se trouve une forte dimension de religiosité. Et chez les autres aussi, se trouve en eux une forte dimension aussi de tendance nationale. Pourquoi parce que juste... Parce que Dieu a créé ça comme ça. Non, parce qu'ils ont la tendance, comment on le voit, donc, les chez religieux... Qui tu vois, ils montent en Eretz Israël, dans la Torah il est marqué Somtasim Alecha Meler, Shoftim Veshotrim, et l'envoi de mitzvot, oui, qui relate la nationalisme. Ils ont oublié les mitzvot, ils ont oublié les mitzvot. Ils savent bien que c'est l'idéal, ils espèrent le Mashiach, Amelech Mashiach. L'Okshab. Ah, Amelech Mashiach. Oui. Donc tout était orienté vers le royaume d'Israël, oui, et pas vers l'élevation de mon âme individuelle. Oui, d'accord. Il dit ça trois fois par jour. C'est Marta Vidar Decha Vatasmiya. Bor Hatashem Bonne Benin Yerushalayim. Bor Hatashem Kabesh Yitramu Israël. Tu vois que tout est autour du bien de la nation et pas du développement individuel. Donc c'est juste une question de. C'est une erreur. Temps. Non, donc, ils disent que c'est pas le moment. Non, ils vivent dans une fausse conception imaginaire que comme si qu'il n'y avait pas de rapport, alors qu'en fait il y a un rapport très très profond. Ils le vivent en plus ce rapport. Donc c'est une faute imaginaire, ce qu'ils sont en train de dire. Donc on doit seulement leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de dire des choses qui sont tellement contraires à ce qu'ils vivent. Ouais. Il faut lui amener une prise de conscience qu'en fait il est très néo-mille. Ouais. Et l'autre aussi, il faut lui amener une prise de conscience qu'il est très religieux. Ouais. Une fois le Rav Kook, il a fait il a fait ça. Il est débarqué dans un kibbutz Chiloni, le Shomer HaTzair. Alors un des kibbutzikim dit, oh, tu veux nous saouler, toi, avec ta religion, c'est un full camp ici, on ne veut pas t'écouter. Tu vas nous dire, tsniou, shabbat, truc, allumer les lérotes, cachés, on ne prend pas la tête, full camp ici. Top, il n'a pas fait cas. Il a fait un discours enthousiasmant, beaucoup d'amour d'Israël, etc. Et en plein discours, il raconte une histoire. Et voilà, j'ai entendu parler qu'il y a un arabe qui a l'intention d'acheter la rechava du Kotel, et d'en faire des toilettes publiques. Pour gagner de l'argent. Ce bonhomme, il dit, Misa Khazir Azeshane Shrat Oto. Il dit, ma carrière. Tu veux me dire que tu t'en fous du collège, etc. Il y a des limites. Tu comprends? Mais je te dis, tout ça. C'est un petit bruit. Au plus profond de leur âme, ils sont très très proches du collège.
Ils ont une canaroute. Et d'ailleurs, sache, les non-religieux, quand il y a des choses qu'ils respectent, ils sont hyper fanatiques. Ouh là là, et c'est pas de les bouger d'un micron des choses qu'ils respectent de la Torah. Ils sont plus fanatiques que les religieux. Comment s'appelle le chanteur là, Kobe Il a dit, il n'est pas religieux un chanteur là, il a dit, Am Israël Bétora, Yepchar. Il a dit. Et surtout les Sfaradim. Surtout les Sfaradim. Ouais. Encore plus que les autres. Qui disent comme ça? Qu'un, c'est ancré dans les veines. L'amour de la Torah, le respect des rabbins. Il n'est pas religieux pourtant. Si tu fais une expérience, quand j'avais commencé à édifier ma synagogue, on n'avait pas d'Aron HaKodesh. J'avais peur qu'on le pique. Je l'emmenais à la maison. Et tous les Shabbats, je le transportais. Dans la rue, tout le monde s'approchait pour l'embrasser. Des filles qui sont habillées bar minan, elles venaient embrasser sa fatora. Essaye. Va et revela. Il y a fort là, balata qu'à sa fatora. Toute la population, même en plein Tel Aviv, ils vont tous venir embrasser sa fatora. Il y en a même qui font ça à Simchat Torah, la Kafot Chiniot. Ils rentrent dans les. Les trous qui dansent, comment on appelle ça ? Les pavres. Hein ? Avec un Sefer Torah. Ah bon ? Et tout le monde commence à danser. Il y en a qui racontaient, de manière naturelle, ils se sont séparés, garçons et filles. Voda Torah. Ils ont dansé. Tenia Oflar, j'avoue. Ils viennent à des Sefer Torah dans les pubs. Ça, Chabad, depuis longtemps, ils faisaient. Ils arrivaient à jouer les pas avec le truc de Tfilil. On mettait des serviettes, ils venaient mettre les Tfilil. Il allait à la synagogue le matin, il a vu qu'il manquait plein de monde, il n'y avait pas. Il savait où ils étaient Shabbat au bar. Ou sur la plage. On va les chercher. Bar, ils allaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allait avec sa trompe au bar. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'êtes pas, je viens vers vous. D'accord. Impressionnant. Quitte sur Israël ou Eftora. Le pain est influencé de leur manière de parler. J'ai un proche de la famille, il n'est pas religieux, et il vote chasse. D'accord. Un jour, je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce. Mais je veux qu'il soit religieux. Moi, je ne suis pas religieux, mais je veux qu'autour de moi. Ouais, non, on est un pays juif. On est un pays juif. Donc il dit tout ce qu'il faut faire, c'est leur expliquer en fait qu'ils ne font que se tromper. Du fait même qu'ils saisissent un des éléments, ils attrapent toute l'entité entière. Celui-là, il préfère l'attraper de ce côté, celui-là, l'attraper de ce côté, mais il s'agit d'une seule entité. Il est. Elam toim kim betziur dimionam, dans leur conception imaginaire. Velo befoa la vayata, mais pas dans leur existence propre. Dans leur existence propre, les sionistes sont très proches de la religiosité et les religieux sont très proches aussi du nationalisme. Seulement, ils appellent ça d'une autre manière. Étudier à un Haredi le mot Léoumi, il saute en l'air. Il ne peut pas supporter. Ça lui fait de l'orticaire. Tu lui dis à Avat Israël, ça passe. En fait, c'est exactement la même chose dans un langage plus moderne. Tu dis à Avat Israël, Tovatam Israël. Donc il faut savoir, quand tu parles dans chaque cibourg, faire attention, il y a des mines qui font sauter les gens. Donc il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Il faut savoir traduire. Au lieu de dire Netia Léoumi, tu veux dire Avatam Israël, Tovatam Israël, Atzalatam Israël. Ça, il avale très bien le lézard. Et l'autre, il ne faut pas lui dire Mitzvot, Vekdusha, Vetzniout. C'est dit, Anava, ça passe. Tzniout, ah voilà. Alors que Tzniout, c'est un synonyme d'Anava. C'est des mots pièges. Donc, on continue. Qui bémet, baiser à chélek aprati, dès qu'il saisit, que ce soit la tendance nationale ou que ce soit la tendance religieuse, il saisit la neshama de clan d'Israël. Donc celui-là, il préfère l'attraper de ce côté, celui-là, il préfère l'attraper de ce côté. Il faut juste rapprocher, va les déchirer. Il faut à chacun expliquer que du fait même qu'il maintient une tendance, il maintient automatiquement l'autre tendance. Et vice-versa. C'est clair ? Qui bémet bezer et la caprati. Qui van chez Yesodo, Bechaya ou Ma Bichlala. Quand on parle de la tendance de qui ? Du peuple d'Israël. Ariakol, Gvar Nimsabo. Qui attrape le peuple d'Israël. Zama Kodesh, va Eloki Nimsabetoro, va Dat Shelo, va Historia Shelo. Donc à partir du moment où tu veux le bien de la nation, tu viens le bien du patrimoine de cette nation. Vetzicha milchama. Donc, comment doit s'organiser notre guerre de Deot, dit le Rav. Vetzicha milchama liot miuchet d'être avec les galotes, l'aim et taoutam. Non pas vraiment être apeurés qui risquent de déchirer la nation, ils risqueront jamais.
mais seulement leur dévoiler leur erreur, ou les varer la haine, et leur faire comprendre, c'est comme Marmatsech et l'âme, tous leurs efforts, la fride est ardoute d'Israël, de déchirer cette unité du peuple d'Israël, à Eliona, qui est suprême, c'est-à-dire qui provient de Dieu, l'œil à l'Obiadam, ils ne réussiront jamais à le faire. Vaïstaglout, c'est Shlomé à Marshava, Varatson à Israéli. Misé Shlomé à Marshava, Varatson à Israéli, ça veut dire Haramim, Tzadikim. Donc les Tzadikim doivent apprendre aujourd'hui. Cholom Ektiviyut. Tzéchara Kliot, les Vaker et Tachézion, Achelki et Kolavarab. C'est-à-dire d'être capable de faire la critique de l'élément qui est partiel. C'est-à-dire de montrer en quoi le nationalisme déconnecté de la religiosité n'a pas de sens. Et la religiosité déconnectée de la tendance nationale n'a pas de sens. C'est ça le rôle des Talmidei Chachamim de notre génération. D'enseigner la chose entière. Comme ça figure dans la Bible. Le roi, c'est un tzadik. Le tzadik, c'est un roi. Moshe Rabbeinu, c'est le Navi. Moshe Rabbeinu, c'est le Meler. Ça va de pair. Et le centre d'intérêt de la nation, le Mishkan. Et qui est là-bas? Akadosh Baruch Hu. Et la Torah. Et qui est le porte-parole de cette Torah? C'est le roi. C'est Moshe Rabbeinu. Mais le roi, le Kataf Sefer Torah. Ça va toujours de pair. On n'a jamais vu une distinction entre ces deux tendances dans la Bible. Lorsqu'on est senti en exil, Nifreda Tiomet. Non, c'est que la Chen Mechadash Tiomet. Ah ben, Nifreda Tiomet, Rak Ba Marshava, l'eau Befoa. Oui, c'est vrai que ça a été, c'est grâce à cause de l'exil. Évidemment. Ça parce que chez les autres, c'est tout ça, c'est l'influence. Non, parce qu'on est rentré. Tout ça, c'est l'influence du christianisme. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le christianisme, c'est une mauvaise copie du judaïsme malade. Parce que lorsque nous sommes sortis en exil, on a perdu la dimension nationale. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui restait en nous que la dimension religieuse ? Alors, ils ont dit, bon, c'est ça, bon, nous aussi, on peut faire pareil. Alors. C'est-à-dire que tant qu'on était en Eretz Israël, qu'on avait une unité des trois dimensions ensemble. Aïda Elokit, Aïda Elomit, Aïda Adatit. Personne n'aurait osé venir en concurrence avec le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'irréalisable. Lorsqu'on a chuté, et on a été jeté en exil, donc la dimension de la Malchut, elle a disparu, du son divine Bichla, de la Takana de la Malchut Shaddai, qui pense à ça, il ne reste plus que la dimension religieuse, la survie religieuse de l'individu. Et comment maintenir ce petit juif pour ne pas qu'il se démoralise? On lui fait des mitzvot, tu auras une récompense après la mort. Donc, c'est ça, ben nous aussi on peut faire pareil. Et on peut proposer ça pour moins cher. Eux ils vendent ça à 613$, nous on vend ça gratuitement. Vous dites seulement que vous croyez en Jésus, hop, et vous sautez au paradis. Maintenant, donc le christianisme est une mauvaise copie du judaïsme en état d'agonie. Et après, les Juifs, ayant baigné en Europe, dans la civilisation européenne, ont été influencés du christianisme. C'est-à-dire qu'ils sont réinfluencés de la mauvaise copie de leur état malade. Ils reviennent en Eretz Israël avec cette conception idiote. Donc, de les ramener à leur état original, ça va prendre du temps. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas insulter, attendre. Les choses se font d'elles-mêmes. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais tu vois, finalement, ils sont rentrés dans l'état d'Israël. Et finalement, ça nous importe qu'il n'y a pas de la tarboura Béchabat. Ça peut se faire danser, ce coup-là, elle ne passe pas le train. L'on sait. C'était ça la marloquette, la gamme. Entre Agudat Israël et les Tori Karta. Au début, ils étaient tous contre l'État d'Israël. Après, Agudat Israël, ils ont dit, regarde, quand on était en Pologne, ben nous aussi, on a envoyé nos représentants au Parlement pour avoir des intérêts pour nos Juifs. Et ben, on va faire pareil ici. Les autres, ils disent non, c'est une question de principe. On ne veut pas entendre parler de socialisme. Donc ils sont restés dans les marges. Eux, ils sont venus avec un intérêt. Amal Chazal Amrou, dans la mienne, Sakadam et Tormidot Olishma. Je vais dans ce Olishma, Yavolishma, Kshamaor, Sheba, Marzera les Moutav. De fait, que ce soit par intérêt, par égoïsme, tout ce qui a envie, ils sont venus toucher à la Kdushat, à l'Omiyut et Israélite. Ils ont ça imprégné. Et ils sont obligés d'exprimer leur avis. C'est-à-dire, quand tu vis dans ton Shtaitel, tu ne rencontres pas les problèmes de la nation. Maintenant, tu dois lever le doigt à chaque loi. On attaque l'Iran, on n'attaque pas l'Iran. On peut être Mechalel Shabbat pour sortir à l'armée, on ne peut pas sortir.
Maman, j'ai jamais pensé à ces questions, mais il faut que j'y pense maintenant. On retourne au Beit Midrash, on va élucider la question. Ça veut dire, à Metziut, Yotzeret Odam. Le fait même qu'ils sont confrontés à la gérance de la nation au niveau national aujourd'hui, ils sont obligés de trouver des solutions touraniotes. Mais c'est dernièrement qu'ils ont accepté d'avoir des postes de Sar. Jusqu'à peu de temps, ils étaient Sgan-Sar. Tu vois qu'ils progressent. C'était comme ça, Sar Briout, le dernier. Litzman. Ils ne voulaient pas, ils voulaient Sgan-Sar. Au début, ils ne voulaient rien. Après, ils ont dit seulement Khaver Knesset. Après, ils ont dit Sgan-Sar. Et là, c'était la révolution Sar. Donc, chasse d'emblée, ça rentrait ça. Laurent Wodosef, il n'était pas tellement anti-sioniste. Donc... C'est-à-dire qu'Icaron, lui aussi, il disait, comme les autres, « Zemirida Bomotorolam ». Mais une fois que ça existe, lui, on essaie au moins de purifier. Donc, ces différences, c'est idiote, sar, l'ossar. Plus on a d'influence, mieux ça vaut. Donc, il vaut mieux être ça. Très pragmatique. Une tête sfaradite, quelque chose de pragmatique, dans des considérations théoriques. Et donc, la lumière de la Kdusha du Nassolaïs qui est divine les influence eux aussi, et maintenant eux aussi ça leur importe que l'État ait un caractère juif. Ce qu'ils ont fait pour les hôpitaux, ce qu'ils ont fait pour les filles. Pour tout, pour tout. Tu t'en fous de l'armée qui mange ta rêve. Tu vas pas l'armée de toute façon. Non, il va quoi la rêve. Ouais, bah aussi. Ils étaient vrai chez Gamma Mitkadmi. Au début, ils voulaient pas en parler. Maintenant, ils sont les deux pieds dedans. Et ils sont confrontés journalièrement aux problèmes nationaux. Alors que quand ils étaient dans leur village, leur carrière d'Indien, ils s'en foutent ce qui se passe. Et ils ont leurs représentants. C'est vrai qu'ils sont rentrés seulement peut-être pour leur intérêt, leur chivote, etc., etc. Mais ils doivent voter. Donc chaque fois, ils vont demander au rabbin qu'est-ce qu'on vote, pour ou contre. Ils vont dire non, on s'en fout, dans ces votes, vous ne rentrez pas. Tu es obligé de t'exprimer. Donc ils doivent avoir une considération toranique concernant le nationalisme. C'est ce qui est très bien. C'est ce qui est extraordinaire. Ouais. Et qui joue aux échecs d'en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Il les fait rentrer par un intérêt, il sait qu'à longue échéance, ils vont faire tout va. Et de même les non-religieux. Quand il y a des lois religieuses, eh ben, eux aussi, ils doivent donner leur avis. Et ils réfléchissent. Alors, pas trop exagérer, pas trop contre la religion. Malgré tout, on doit avoir un caractère juif. Ça me vient. C'est la rapproche. En fait, les deux, ce qu'il a décrit le Rav Issy Kouk, qui a mis ses routes, les deux parties sont actées, les deux sont actées. Mais badaï. Parce que Bamahout, c'est d'avoir Echad. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Peu importe de quel côté tu attrapes un seul objet, qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle Mishmat Israël, qui s'appelle Aïnian Eloï dans le Kuzari. Aïnian Eloï, il a une facette religieuse, il a une facette nationaliste, mais c'est la même chose. Et tout juif est constitué de ces deux tendances. Et même une troisième tendance, la tendance universelle, c'est-à-dire qu'elle en l'a même en contre-chaté. Ça, on est encore un petit peu loin. Une très petite minorité du peuple vit cette dimension aujourd'hui. Que la vocation de notre existence en Eretz Israël n'est pas pour notre intérêt personnel, national et étroit, mais pour l'intérêt universel. Une toute petite minorité le comprend aujourd'hui, mais eux aussi. Du plus qu'avant. De plus en plus. Mais non. Ce qui arrive, s'il y en a qui veulent l'intérêt universel au détriment de l'intérêt national. Mais ça aussi, c'est tout passage se fait par une crise. C'est-à-dire pour affirmer leur appartenance à l'universalisme, ils donnent un coup de pied au nationalisme. De même qu'au début, pour affirmer leur passage au nationalisme, ils ont donné un bon coup de pied à l'individualisme religieux. Comme ton fils, quand il devient adulte, il donne un coup de pied à la gentillesse de l'enfance. Il n'y a rien contre la gentillesse de l'enfance. Vous dire j'existe, je suis moi, tu ne me dis pas quoi faire. C'est une première expression un petit peu brutale. On ne peut pas faire cas. Il a fait merde, il commence à se connaître. Tout passage passe par une crise. Pas prendre en compte trop la crise. Il faut les varer qu'il a grandi. Alors la crise va passer. La crise va retomber. On continue. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est leur expliquer leur erreur en leur disant du fait même que tu tiens le nationalisme, tu tiens la religiosité. Du fait même que tu tiens la religiosité, tu tiens le nationalisme. Donc, que même si ce dobre et ouma bichlala arrive à kon nimsabo, mais tzricha milchama liot miuchel et rak le galot lehem et tamutam ou le varer lehem, que kol ma amatzech elam, tous leurs efforts, la fride et ta ardoute à Israël, de déchiqueter, de déchirer cette unité d'Israël,
à Eliona, la plus suprême, qui vient de Dieu, l'œil à l'Obiada. Ils ne réussiront pas à le faire de toute manière. Aïstaglout, c'est-à-dire les matriotes, les matriotes mesugalim, Tabidé Haramim Shabador. Ils doivent se rendre, premier mourcharim en français, ils doivent être capables. Shlemé à Marchava, à Ratson, à Israël, Becholomé qui vit autour. Les plus grands de la pensée juive, de la volonté juive, c'est-à-dire les Tamid Khamin, les Tzadikim, de manière naturelle. Tsecharak Liot, les Varer, les Vaker, il doit être capable de critiquer le phénomène partiel. Chaque fois qu'il voit un phénomène partiel, il dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait que du nationalisme, c'est pas normal qu'il y ait que de la religiosité. Et bien que eux, ce sont des Tamid Khamin, ils ne doivent pas être Meshuchadim. On dit Meshuchadim. Corrompu par la religiosité. S'ils voient qu'il y a un déséquilibre au profit de la religiosité, mais qui vient au détriment de l'intérêt national, ça doit être eux qui tapent sur la table pour remettre l'équilibre, bien qu'eux, ils sont religieux. Ce qui n'est pas toujours évident. On a gagné. On a gagné. Il y a plus de religiosité que de nationalisme. Ça fait tomber que l'Israël. Parce que Dieu, il veut aussi la tendance nationale. Parce qu'il y a ta chair à Kodesh et Elion, il n'y a pas de parti pris. Tu ressens exactement le même intérêt pour le renforcement national que pour le renforcement religieux. Et s'il y a un déséquilibre, c'est toi à remettre l'équilibre. Et tout le temps, tu es en train de faire des équilibres. Quand tu vois que la nation glisse trop vers la tendance nationale au détriment de la religiosité, tu hurles pour remettre la religiosité en place. Et vice versa. On dit que Dieu, il veut également le nationalisme. Évidemment. Ce qui dit la Torah. Hein? Ils ne savent pas, ceux qui lisent la Torah, ils ne le savent pas. Ceux qui lisent la Torah avec une lecture partielle et sélective ne le savent pas. Combien de personnes existent comme ça alors? C'est pas possible. La quasi-totalité, malheureusement. Et on peut se dire normalement. Regarde, une fois, ils ont fait un sketch extraordinaire qui était écrit comme ça. Un enfant qui pose la question à son père. Alors, papa, les Maccabim, ils ont fait la guerre, non? Ah non, ils n'ont pas fait la guerre. Alors, comment on a gagné la guerre? Oula, il prend la tête ce gosse avec ses questions pertinentes. Alors comment ils ont pris la 24 ou la Milchamad, je sais. Alors je dois aller à la... Non, ils n'ont pas fait la guerre. Alors j'ai pas compris. Alors ils n'étaient pas religieux? Si, ils étaient religieux. C'est un sketch humoristique pour montrer l'absurde. C'est magnifique ça. Mais voilà, c'est ce je me rappelle, c'était écrit comme ça. C'est un absurde, parce que les deux font une censure. Il y en a un qui boutent en scène aussi la Bible. On dit que David Abel était un brillant politicien, un brillant guerrier, et on se tait. On ne dit pas aussi que c'est un grand sadique, un grand racine, et un grand prophète. Et chez le Haredim, on dit David Abel, c'est un Tamid Racham, et Naïm, Yafot Kamamita, Mitiaet, Simeneaïda, c'est le Betadine, etc. Voyen Avi. Mais on ne dit pas que c'est un grand guerrier. Sans quoi on va induire nos enfants à aller à l'armée. Donc les deux mentent. Il faut arrêter de mentir et lire ce qui est remarqué. David Ameller était un très grand guerrier et un très grand chassid. Et ce n'est pas l'exception. Ils étaient tous comme ça. Moshe Rabbeinu, Yoshua, Avraham, Yaakov. Tous ils étaient comme ça. Ils étaient tous comme ça. Ils étaient tous normaux. Parce que Dieu nous a créés. Amzou Yetzar Tili nous a créés en tant que peuple, pas en tant que religion. C'est clair? Donc, ça veut dire la skir et anishkachot. D'accord. Non, merci. Je ne peux pas passer ensuite. Hein. Donc, c'est rare que les autres évacuent à Chizon Khelki. Le rôle est de faire la critique de tout phénomène qui est partiel. Mais la rôle de Bobéatsmo est plus encore. Pas seulement de dire c'est pas bien que tu aies seulement ça. Il faut lui expliquer. Tu es nationaliste. Je vais t'expliquer comment ton nationaliste comprend aussi la religiosité. Tu es religieux? Je vais te prouver par A plus B que tu as énormément de relations avec le nationalisme. Mais la rote bo beatzmo et kol simane tamuto. Tamuto, c'est tamim. Shlemuto, sa perfection. Ve klaliluto, sa globalité. Mikol anosim kulam. Que tout est compris. Donc, tu penses maintenir et saisir que cette tendance, je vais te faire comprendre comment tu saisis toutes les tendances. Il ne veut pas entendre parler du judaïsme. Je vais te montrer combien il y a juifs. C'est ce qu'a fait le Rav Kook avec
avec les toilettes publiques. Et les autres, pareil. Je ne vais pas en parler d'Israël. Je viens de montrer combien que ça t'importe, l'Israël. Vous voyez ? Les débéraux iraniens l'amitisaient. Seulement dans cette approche, dans cette démarche. À l'idée, Birour, Inyan, Amitizé, Yamdou, Sof, Sof, Kolbalé, Aït, Pardout, Alakara. Tous ceux qui essaient de déchirer vont arriver à une prise de conscience. Chez Daï, Laem, Nechalot, Lachav, Et Koram. Qui perd longtemps à rien. Qui perd longtemps pour rien. Ça ne mène à rien ce qu'ils sont en train de faire. Et Tahad, Larzik, Bechel, Et Nifra, Medoumé, et lui de maintenir seulement une seule partie imaginaire. Chez Kolashifot, Vatrani, Maklalim, chez Kula, Lauma, Kula, Bekola, Rachea, Klulimbo, qui à vrai dire comprend en elle toutes les aspirations et tous les aimants de la nation. Et la Shemkeim. Et c'est vrai qu'elle paraît, elle apparaît de manière floue. C'est-à-dire, si tu proclames que tu ne détiens que le nationalisme et que tu t'efforces de toutes tes forces à effacer tout souvenir de la religiosité, évidemment que ces éléments de religiosité apparaîtront chez toi de manière floue. Ils existent encore, mais de manière floue. Ou mitorkar, moni même un effachot amarzikokbo et tsova amarouchani. Et vous donc vous empêchez de rassasier ces âmes de leur nutrition nécessaire. Metsam tsemi met mechavroucham. Ils étouffent leur âme. Ou madrichim otam et netivot melechatratim. Et en plus, ça leur donne des directives dans des cheminements emplis d'entraves. Et finalement, on fait des gaffes. Et les gaffes mènent à des catastrophes. Azioter noir qui est lahem, comme si en train de se passer, mais alors que ce birour, c'est la sougia qui, en fin de compte, est en train d'être élucidé. Est-ce que les Haridim doivent aller à l'armée ou pas aller à l'armée? Non, maintenant ils sont en cours d'argument. À tel point qu'il n'a pas pu se retenir, le Rav Tzadka. Non, même ceux qui n'étaient pas dans les chivotes ne doivent pas aller à l'armée. Personne ne doit aller à l'armée. Alors que d'autres, comme le Rav Yitzhak Yosef, il a dit qu'elle allait à l'armée. Même des Haridim Ashkenazim, qu'elle allait à l'armée. Pourquoi? Ben, Arshav Amrut Haemet. Kimit Kalkelim. Il ne dit plus que ce n'est plus une mitzvah, la Kolom Echoyavim, etc. Kimit Kalkelim. Même s'ils sont soukbêtes, au moins ils prient de temps en temps, ils font des mitzvahs. En plus, il dit grâce à ça, on gagne toute la guerre. Ça, c'est un mensonge, ça paraît, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui fait gagner la guerre, etc. Non, ouais, de bureau à Emmet, c'est Metsouyan. C'est un argument. Hein? C'est un argument. C'est un argument qu'il a vraiment dans le cœur. C'est ça, ça. Ou aussi, et quoi, les beaux, sauf. Ils arrêtent de mentir. C'est à toi, ça? Non, non, il disait, on est ptourim. Non, non, il dit pas tour, vous n'aurez pas, on dit, ils sont pas trucs. Comme les Chevet Alevi. Ils ont dit plein de choses. Chevet Alevi. Bon, il dit, celui-là, il n'est plus Chevet Alevi, mais il ne dit pas, alors quoi? Nirkat Salakir, ou Amar et quoi, les beaux. Il calquait les Chiloun. Même tout, Kim. Ah, vous êtes qui? Alors, ça va l'étaken. D'accord, c'est. Alors, ça va l'étaken. D'accord. Ani omer afour. Olam chalit tzarich lidrosh. Anachnu rotzim lekeyem mitzvah d'oraita shel mitzvat milchemet mitzvah. Lama atem onim meitanu? Afour, tzarich lafoch et hayotzrot. Atem onim meitanu biglal shetem otfim et zeh betuma. Ani rotzeh lekeyem ta mitzvah betara. Et ne prend plus la tête qu'ani lo rotzeh lesharet. Ani rotzeh lesharet. Ata lo meafsher li lesharet. Ouais, car tzarich lafoch akhshav. Alors là, ils vont rester bouche bée. Ah, c'est pas des parasites. C'est nous, en fait, qui les obligeons à être des parasites. Agav Rafkou, quand elle était Beferouche, Ishpo Beorot, il dit la chose suivante. Lorsque la nation est dans sa meilleure situation de santé spirituelle, etc., elle n'a aucun problème avec l'imoudé Achol. Il y a besoin d'un gamour. Avalchi Margisha, de manière instinctive, intuitive, que le fait qu'on veut lui enseigner le Chol, c'est pas pour l'enrichir de Chol, mais pour lui enlever le Kodesh. Il y a peut-être les Milchama. Mitzad, à Kouach Haïsardout. Kouach Haïsardout, chaque jour, t'as va à l'école collective. Vézé, ma chacharini, ma chachim, au fait intuitif. Ils ont raison. C'est ce qu'avait dit Ben Gurion. Atzava yekour haïtouch. On va faire une refonte de la conception. Donc on va les rentrer à l'armée, on efface leur religiosité, on devient tous normaux. Les aimes, ils ne sont pas dupes. Ils ont raison. Ils n'ont pas raison de pas aller à l'armée, mais ils ont raison de ressentir ça, parce que c'est une intention cachée derrière les coulisses. Mais c'est ça le problème. Donc au contraire, s'ils veulent gagner la guerre, véritablement,
C'est d'ailleurs Anachon Rotsim. Blitarbout, Rilonit. Tout l'an ou l'énaël. Aujourd'hui, c'est parce qu'il manque. Les Ktsinim, Pririmor, Direchamaim, Becholironé, Eminanou, Tamachlakot, Chedan. L'Ochetzi Bachora, Velo Shira Betzibour, Velo Tarbout Goyit, Velo Havaï, Riloni, Kloum. Le fils de mon. Maïm Bavodat Hachem, Lassom Nichemet Hachem. Le fils de mon cousin, il a fait l'armée, ils l'ont mis en prison, parce qu'en fait, tous les cours, il leur apprenait à tirer et compagnie, c'est une femme qui le forme. Toujours, en Yoder, en tricot. Oh là là. Maman, c'est Kavala. Après les cours civilisés, un jour ils font un truc, Shira. Mais bon, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais bon, c'est marrant que Yash elle attrape, tu as comme ça, tiens comme ça, tu te comme ça. Et ça sent coréen. Et dans les temps qui rendent des femmes. Bon, ben, bon, ils font pas tous des temps. Mais Nagui, tiens, il y a une femme dans le temps qui fait ses besoins à côté de toi. Il y a une Sheila. Et tu dors avec elle. Le Rav Eliyahu, il a dit c'est la Sheila la plus importante. Tiens, Shaman Raiti, mais bon. Il est refait. Il doit être à Gaza pour sauver la peau des Juifs. Mais il ne peut pas sortir du Hammer. Sans qu'il se fait descendre. Donc il dort. Avec deux femmes. Avec deux femmes. Qui se changent dans le Hammer. Qui font leurs besoins dans le Hammer. Et comment il a dit comment on fait Aïmoutar la Nechetola. Voilà, c'est ça. Chez la Gveda. Rimatomer Lolo. Altamon Altamrecha. Parce qu'il n'y a personne d'autre à part lui. Il n'y a pas assez de monde. Il faut qu'il aille. Des belles questions de. Non, mais voilà. Mitsiout machicha otra la vie pitronot. Donc, il faut être content de cette marloquette. Les mévarer et assougir. Il n'y a pas besoin de superlatif et de salir, etc. Les mévarer et assougir. Donc, il y en a qui se barricadent avec leur idiotie. On sera fusillé, on ne se donnera pas à la guerre. On ira en prison, on ne verra pas l'armée. Voilà. Les idioties, tout ça. Machichim otam la guerre la émet. Et la psyche tachékerze. Et arrêter d'inventer des fausses sources qui ne tiennent pas la route. Tout ce qui passe par l'armée chute du point de vue spirituel et du point de vue religieux. Le jour où ce sera fait, ils viendront tous. Pas d'un coup, parce qu'il y a tellement de mishkaïm et de traditions et de machins, de conceptions. Pour eux, c'est le rideau rouge devant le taureau, l'armée. C'est vrai que tu parles de l'armée, pour eux, c'est vrai, c'est le truc rouge devant le... Comment on appelle ça, le torero, là. C'est pire que Shmad. Ah, c'est Moshe Avar Shmad, et Ouja Avar Shmad, et David Avar Shmad. Une cavèche, il est de barrière. Il reste quelques heures maintenant. Ah, ils vont voter là ? Ça va être reporté ? Non. Ils ont reporté de 24 heures, c'est tout. Ils ont reporté, mais ce n'est pas le choix. Magas, il a dit si le 1er avril, ils se présentent pas, ils leur coupent les taxes civils. À qui ? À tous les chivotes. Ils sont tous bloqués. Ils les obligent à. Ils sont bloqués. À s'enrôler. Parce que là, ça a été reporté, j'ai entendu. Non, 24 heures. Non. Ah, je croyais. Non. Bibi leur a dit les écrans, je ferai passer du fric par notre canal. Ouais, mais il y a. Mais surtout, ce qui leur enlève, ils sont contre Harry Kim, c'est les convois ici. Comme déserteurs, ils peuvent travailler dans aucun truc national. C'est... Alors qu'ils aiment travailler dans les mairies, dans le Yako. Ils peuvent travailler dans aucun poste. Mais tu crois qu'à la rigueur, on peut les envoyer en toile aussi. À Ricky, on les ils s'en foutent. Oui, mais ils ne vont pas des dizaines de milliers pour aller en toile. Il n'y a pas cette place. Ils ne peuvent pas ramener pas de place. Donc ça, ils savent ça. Mais par contre, ça les touche. Ça les touche. Mais la Rokagrius, elle était mettue tout net et il y a écrit dedans maintenant que de Valais. Il n'a pas été mettue. Il y avait une dérogation de Rokagrius. La dérogation est tombée. Adrina, elle est dit là de Oreita. Elle est tombée. Et donc on retourne. C'est pas qu'elle est tombée. Il y avait une date butoir. Donc soit il a repoussé la date. Mais la Rokagrius, elle avait écrit que le Redati, il faut. Ça a été... Tout le monde. Non, elle est pour tout le monde. La loi, c'est la loi qui est en vigueur pour tout le monde. Sauf pour eux. Non, même Grenelle avait dit non à l'époque. Non, arrête, ça a changé. Il y a une autre loi. Il y a une loi que tout le monde doit faire. Eux, ils l'ont repoussé pour le Haredim, ils l'ont repoussé, ça fait des années qu'ils repoussent. Maintenant, ils sont remis, il n'y a plus de repousse. Au revoir, mais je compte sur eux pour trouver encore un dernier lapin qui nous a fait du fiable. Bah oui, je te dis ça, ce truc. Il y avait une loi. Bah oui, cette loi-là, elle avait une date butoir. Ah, je crois que c'est pas définiment. Non, une date butoir. Mais depuis plein de courriels, ça existe. Mais non, c'est pas, il y avait plein de lois entre temps, il y a plein de fois. Donc, il y a une date butoir qui se termine le 1er avril. Ah ouais, là, ils vont voter. On va voir. On va voir. Il y a sans quoi Gantz y sort. Et si Gantz y sort, les manifestations vont barder dans tout le pays. Il n'a pas envie de se zarat. Il ne fera pas. Et l'autre,
Il tient le coup, ce, comment il s'appelle, ça habite à Maman, j'en ai marre, tout ça. Il veut pas céder, il y a des gens du Likoud qui veulent. Ras-le-bol des combis. Qui veulent pas trouver quoi, il fait, c'est pas facile. Ça, c'est pur. Hein? Non, mais même, c'est pur. Ras-le-bol des combis. Non, les gens deviennent de plus en plus purs. Mais ils comprennent pas que c'est Netia l'Aïmet, c'est pas, mais on met Knesset Israël. Chaque fois, il faisait comme ça. Je ne comprends pas que c'est de la Torah. Chaque fois, il reposait le rog. Il dit par des gens de religion, mais c'est de la Torah. C'était quoi le rog? De faire un rog jusqu'à qu'on trouve une solution. Et une fois que ça arrive au terme, on n'a plus le temps encore 6 mois, encore 3 mois. Et ça fait des années que ça dure, ce désir. Encore 6 mois, encore 3 mois. Ça fait 70 ans que ça dure. Alors, la solution, c'est de leur dire voilà, vous adaptez l'armée à nos conditions. Et quand c'est fait, on vient. Et ne crois pas qu'ils vont arriver en masse. Non, mais. Il va avoir 1 millier, 2 milliers. C'est là, tif-touf. Et après qu'ils vont voir qu'ils sortent normal, ils ne sortent pas rilonim, etc. Et pour adapter, alors, l'armée, ça va être prendre 3 ans, 4 ans. Il y a un certain rabbin, je vais laisser son nom, qui est Haredi. Le premier Mahagar, c'est ce qu'on appelle les Haredim modernim, qui de toute façon sont rentrés aujourd'hui dans l'académie, et qui vivent une vie pépère, bien aisée, etc., et qui en aura le bol de vivre dans les marges de la société, et qui réalisent aujourd'hui 20 à 30% du kibbout de type pour Haredi, tu saches. Et bien eux, ils peuvent déjà rentrer. Il a dit, regarde, Gamet Slam Khal Shippur, je prie dans leur synagogue depuis 10 ans. Ils n'ont jamais dit Mishibera Khayetzal. Milchama Azou et Trilou Lagi. C'est Gvar, Tsal Shalit Karvout. Miser la Khalid Gaël, c'est Laura Rock. Mais chez moi, avant, ils ne disaient pas. Maintenant, le Rabbin, ils me disent, avant, ils ne disaient pas. Tu vois, par exemple, tu vois. Pourquoi? C'est la Mitzvah, ils ne disaient pas. Mais là, ils disent. Ils disent, mais calmez. Il y a toujours des gens qui regardent, mais maintenant ils sont calmés, ils disent plus. C'est logique de dire ça quand même. Je sais que c'est logique. C'est des malades mentaux de pas. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui disent. C'est pas logique, c'est des malades mentaux. Il n'y a pas logique. Tu vas pas voir, tu vois pas. Il invente un enfant pour toi. Non, c'est pas pour ça. Non, pour le nom. Il disait Chayel Israël. Alors pourquoi Chayel Israël? Parce que quand on dit Chayel Israël, il y a aussi des goïms. Alors je veux que les juifs. Non, c'est pas pour ça. Il ne voulait pas dire Chayel Israël. Je sais, je sais. Il y a quel groupe Gaïn dans les noms. Je sais, parce qu'il y a tout des théories. Parce qu'à présent, il y a Chayel Israël. Ou il y en a pire qui rajoute Vierzera Mitchoua Chelema. Ouais, ouais, je sais ça. Mais c'est ça te lase. Et nous, non, je dis. La Chazaka que tout sur les rachats, c'est un rachat. La Chazaka, c'est un rachat. Une fois, un Chayel a dit ça, je lui ai répondu, genre, non, non. Avec la Kabbalah, on a un minagoga. Mais on doit prier. Ils vont dire que t'as une fausse qui pas noire. Tu veux donner un truc parmi nous. Moi, je fais une révolution parce que le samedi matin dans la choule, je vous donne une racha. Tu dis choule en plus. Non, pas synagogue. Dans la synagogue, le samedi matin, je donne une racha et la plupart, c'est un rédime. Je parle comme je parle. Au début, ils ont dit qu'ils croyaient qu'ils allaient me lyncher. Mais non, plus personne ne dit rien. Quand il y a un problème, c'est fini. Ça fait maintenant 3 ans que je parle. Personne ne dit rien. Je pense tout ce que je veux. Enfin, je sors de la coup, comme ça, personne ne veut rien. Chamiche, moi. Fais gaffe à ta fille, elle va pas trop être idiot. Tu vas être grillé, mon pote. Ils vont dire ça. Sochem Kafou, il aime son skip. Je me rappelle, j'étais en chichoud à Sarcelles il y a 15 ans de ça. Donc, pour moi, la jouer plus sérieux, j'ai mis le chapeau. Je commence à parler de métier à l'eau, oui, tu sais là. Nous avons tous entendu la quille à l'air. Qu'il enlève sa chapeau, il a sûrement un calot que tricoté sous son chapeau. Non, mais on termine. On s'amuse bien, en tout cas, avec les chamailleries idiotes, là, entre les traités. Quand je viens, finalement, j'ai parlé avec des gens, il m'a dit, on pense comme toi, mais on n'osait pas le dire. Mais non, tu l'as dit, bah, alors, c'est taïche. Non, mais c'est des sfaradis, ça, c'est la chose. Ouais, c'est pour ça. Il m'a dit, oh, c'est difficile, on n'ose pas le dire. Non, on continue. C'est vrai, je connaissais plusieurs, mais bon, c'est vrai. Donc Tarak l'Azik, Bechelek, Nifra, Medoumé, au lieu de continuer de maintenir une partie déchirée, imaginaire, qui de toute manière comprend en elle toutes les tendances. Et la Shem Keim, mais ils sont flous. Mitor Karmoni, Menefashot, Amarzikot, Boat, Sovam, Rouhani, donc c'est ce qui empêche d'arriver à être assagé spirituellement. Metsam Sami, Metpecha, Vroham, étouffe leur âme, ou madricham ben tibot meder khatrachim, et les amène finalement dans des comportements remplis de pièges. Yuter noir qui la aime, la kir behemet et tsahemet. Ce sera plus facile pour eux de reconnaître la vérité, à metsiutit réel, ou l'arzik be kol a tochen achai, et de saisir l'entité générale, à Kodesh, chez l'or Israël Shalem, la lumière d'Israël parfaite, be kolo farotav dans tous ses dévolement, aussi bien national que religieux. Begaloui. Bézé Yoshio et Nafsha Mikol Tsara Mashakim. Ce n'est que de cette manière qu'ils sauveront leur âme
de tout malheur et de tout obscurantisme. Via Bitu Vinaru et la chair veulent toujours, et c'est comme ça qu'ils reviendront au galop vers Dieu. Ils n'auront plus besoin de faire souffrir leur âme de résidus de pensées brisées, floues et sombres. De toute manière, ils arriveront pas à se libérer des tendances religieuses, ceux qui ne sont pas religieux, et des tendances nationales, ceux qui sont religieux, la Netzach, de manière éternelle, ou Mehver Acher, Limso Birur Veharatouar, c'est-à-dire si tu essaies d'étouffer, ben tu ne vas pas en être alimenté. Donc tu perds des deux côtés. Kiem Tranim, Asher Tuva Veleshet Chayem, Anila Vatsum, Loïd Yale Kim Alakikar, Chava Shalem. Si tu veux véritablement vivre la totale dimension des deux aspects, ben il faut l'étudier, il faut le vivre, il faut le reconnaître, etc. Kiem Tochnim, Asher Tuva Veleshet Chayem, Anila Vatsum, Loïd Yale Kim Alakikar, Chava Shalem, Chez Kol Achaïm Israelim, Bemaruta Maklalit Hashema, son essence générale est parfaite, Mitraimbo, qu'ils apparaissent. Tout notre rôle, c'est de faire flotter de leur conscience ce que de toute manière ils vivent au plus profond de leur être. Mais ils n'osent pas le dire, parce que ça contredit leur comportement, etc., etc. De leur amener à une prise de conscience de ce qu'ils vivent de toute manière. Mais l'eau, Aziz Dutam. Juste un truc, je te dis.